Voyons, il est où, Réjean, ce soir? Ah, il est encore, mais... Ah, il hey boy! Oh. Réjean! Il est-tu de Cuba, lui, avec un brigand? Comment ça va, Réjean? Le micro est fermé, Réjean. Réjean, ça va pas bien, là. Ton micro est fermé. Réveille-toi, Réjean. Mon jean prend le Brugal en case A4. Excuse-moi, je suis en train de jouer aux échecs avec mon neveu de 8 ans. Juste ça va là. Faut tasser ça de là. Vous êtes arrivé vite. Excusez-moi, ça va bien, vous autres? Ah, ça va. Ben oui. Très heureux d'être à la pilosse bleue encore ce soir. La poche bleue, Réjean. C'est ça, j'ai dit. Que tu non? La pioche bleue. La quoi? La poche bleue. Hey, très heureux de te. Hey, d'abord, je vais prendre le temps de souligner ça, Max. Je pense que tu vas être content que je le fasse. Félicitations, Guillaume. Tu es allé rejoindre. Tu as fait tes débuts à TVA Sports samedi dernier. Tu es allé rejoindre ton bon chum, Max. Oui, je suis allé voir mon petit chum, Max. On a eu du fun. Très bien content de te voir là. Bravo. Je t'ai regardé faire des commentaires et parmi les commentaires, ton meilleur moment, c'est quand tu as dit ça ici. Là. On revient un peu là. Je t'ai dépissé du bien, je t'ai pris au sérieux, je suis revenu après la pause, j'étais là. Hey, c'est le mois de février, j'ai commencé mon défi 28 jours sans aller dans un bar. Ah, c'est bon ça. Ben, c'est sûr que tu vas me dire qu'ils sont tous fermés, mais je m'échange sur mon bord. C'est comme ça. Hey, Réjean, avant de commencer... Attends un peu, je vais souligner de quoi aussi, parce que c'est important d'en parler. Je voulais savoir si vous aviez regardé la conférence de presse de Legault hier. Mais non, moi, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Tu nous en parles un peu? Ben oui, je suis bien content d'apprendre qu'il va réouvrir les salons de coiffure. Puis je vais vous dire qu'il a pris sa décision, Legault, en voyant la coupe de cheveux de Marc Bergevin lors de son passage à Tout le monde en parle. Oui, c'est... Oui. En plus, il a mis son petit gilet vert pour aller braconner du petit gibier au centre-ville. Ben oui, le petit Marc. Braconner du petit gibier au centre-ville. Le petit coquin. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire, Guillaume? Non, mais je voulais dire que pour les gens qui écoutent, là, tout le monde qui est là, les réseaux, le Facebook, Jean-Claude Gilna, Réjean de Terrebonne, puis l'Instagram aussi, c'est nouveau, Réjean de Terrebonne. Je t'aime. Allez suivre Je t'aime. J'aime ça prendre des boissons, mais fais attention par exemple. Ben oui, allez-y, toujours, tu veux parler toujours. De quoi dans un premier temps, mon gars? Ben j'aimerais ça parler du club de soccer de Montréal qui voudrait encore changer de nom, ça a l'air. Ça, c'est compliqué un peu l'histoire du club de soccer de Montréal. Là, il essaie de se trouver un branding pour à l'image de ce que c'est le soccer à Montréal pour attirer plus de monde. Là. Fait que si je fais le bilan de ça, là, tu regardes ça un peu. Là, après l'impact, il y a eu le CF de Montréal, le club de football. Là, ils veulent attirer, comme je te mentionnais, plus de monde. Ils veulent encore changer le nom et la direction hésite présentement entre quatre noms. Ça va finir encore 1-0 de Montréal. On reste-tu jusqu'à la fin de Montréal? Ou encore le « Je fais qu'une blessure puisqu'il est passé à 6 pieds de moins de Montréal. » Et finalement, là, j'ai eu mes billets dans un échange de cadeaux de Montréal. Tu sais, quand on se fait des échanges de cadeaux pour se faire un coup, là. Je fais des farces, mais j'aime ça le soccer, sérieusement. Quand il n'y a rien d'autre. OK? On continue avec d'autres nouvelles, mon cher ami. Ben justement, le Super Bowl en fin de semaine qui s'en vient. Un billet simple pour assister au Super Bowl sur les sites de revente, le moins cher, 6 850 $. Oui, puis il faut que je te dise une affaire. À ce prix-là, tu n'es même pas dans le stade. Là, hein? T'es dans le parking, puis un placier qui sort à toi 10 minutes te dire le score. C'est 7-0! ils sont fous comme la marque des Américains. C'est cher. C'est... Ah oui, c'est cher. Ça mange tout dans l'huile, puis ça sort avec des totons. Bon, on continue. Je ne sais pas, ça sort tout seul, je suis désolé. On continue. On continue avec d'autres nouvelles. Hey, les gens écoutent là, pour savoir ce qui se passe. Ouais. Hey, Réjean, on passe au segment concours du plus beau sourire sportif. Oui, et la lutte est féroce cette semaine. Le concours du plus beau sourire d'un sportif connu. Cette semaine, la lutte se fait entre André Markov et Bob Gainey. Difficile.
Chris, André Markov, la dernière fois que souris, t'as pas réchauffé, c'est fait une crampe dans mon choix. Puis moi, te dire à toi, Bob Guéné, ça n'a pas dû être long prendre sa photo de passeport. Sérieusement, ces deux-là, t'es lâche-lousse au Beach Club. La seule affaire qu'ils ramassent, c'est du sable dans leur costume de bain. À part de ça, je vois pas grand-chose. On continue. Tu sais qu'on apprend ça à Poche Bleue. On apprend plein d'affaires à Poche Bleue. Hey, on se fait un chin-chin quand même. J'espère. Je l'aime beaucoup, votre gars. Je t'avais d'en manquer, ceci dit, en passant, y a-tu moyen de passer? On va s'arranger avec ça. On passe une commande, Red. Tu vas savoir si t'as pas. On passe une commande. Ça sera pas trop long. On parle encore du contrat de Philippe Dano. Oui, Philippe Dano, je suis content que tu m'en parles parce que je suis pas par messager, pas par messenger, mais un messager qui m'a envoyé justement ici les demandes. J'ai le contrat ici que j'ai reçu par. C'est un pamphlet, en quelque sorte. Là. Fait que je vais te dire ce qu'il demande de nous. Attends un peu. Que Dano, on a ses demandes ici. Il va avoir 5,7 millions. C'est vous autres qui avez parlé de ça, 5,7 millions. Après. Ensuite, il demande un per diem pour le gaz, 3 tours de Zamboni pour sa famille, un protège-lame, un poster de Gino Chouinard. Il y a des astuces de demandes. Puis un weed eater pour sa barbe. Ben oui, il demande, oui, tu veux la manger, toi? On dirait un taliban. Il est zoné agricole dans la face. Il va falloir qu'il se rase. Bon, c'est les demandes pour son agricole. En tout cas, j'espère qu'ils vont respecter ses demandes parce que ce sera le fun de le garder de nous. Ben, le tour de glace, c'est important. C'est effectivement le tour de glace. Oui. Non, mais honnêtement, c'est un deal breaker, ça. S'il dit non au tour de glace, c'est sûr qu'il signe pas. C'est sûr qu'il signe pas. On continue. Yes, c'est le début de saison de la pêche à la glace. Ben oui, hey, la pêche à la glace. Hein. Ben oui, la pêche à la glace, c'est faire 1h30 de char pour rentrer dans une cabane, se geler le cul, assis sur un banc de bois qui te rentre un clou dans la craque de fesse, pêcher 12 poissons que tu mangeras pas probablement. C'est le fun dans ta tabasnak. La pêche. Ils disent que c'est un sport, la pêche sur glace. Hey, convaincre sa femme que tu vas là juste pour pêcher, ça, c'est du sport. On passe à d'autres choses. Hey, Réjean, parle-moi donc un peu, là. On n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps de notre chum Galchenyuk. Ben oui, Galchenyuk, il y a des gens qui m'écrivaient pour parler de Galchenyuk. Mais Galchenyuk, il a un but. Je ne savais pas ça que les sénateurs jouaient contre l'Armada. Mais je l'ai vu, Galchenyuk, je ne sais plus ce que c'était là, la dernière game. Écoute, il a pris le puck dans sa zone, là, puis le temps qu'il se rentre dans la zone adverse, Chris, il a eu le temps de défaire la glace le salon de l'auto. Il a ralenti, il a ralenti, c'est sûr, certain. Je suis allé à la pêche avec lui, il n'était même pas capable de mettre sa ligne dans le trou. Puis maudit Galchenyuk à la merde. Hey, Réjean, savais-tu qu'on recevait, on recevait notre chum Georges Saint-Pierre pour le Tailgate Super Bowl? Oui, oui, Georges Saint-Pierre qui va être là au Super Bowl. Hey, d'ailleurs, Georges Saint-Pierre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a sorti un livre, hein? Ah. Vous savez qu'il y a un livre, Georges Saint-Pierre? Je vous annonce à la primaire, ben oui. Ah. Surprenant à m'en donner comme livre, parce qu'à un moment donné, j'ai viré une page puis j'ai mangé une claque sur la gueule. Hey, puis j'ai lu, j'ai regardé sa bio à Georges Saint-Pierre. C'est assez impressionnant, pareil. Il faut le souligner, ce que ce gars-là est. Là. Il est maître en jiu-jitsu brésilien, ceinture noire en karaté, ceinture noire en kung-fu et ceinture beige en danse en ligne. Tu vois qu'il est... il roule. Les... Ouais, il va être en cage au sport, il va faire craquer les côtes levées avec ses orteils. va t'avoir un méchant party de Super Bowl. Hey, Guillaume, quelle heure il est? C'est l'heure du quiz! Trouver l'intrus! Ouais, du quiz qui est très populaire cette semaine, alors j'ai l'impression que vous allez pouvoir y participer. Il faut trouver l'intrus cette semaine entre Tyler Toffoli, OK, tu vois le Tyler Seguin, puis Canadian Tyler. Ben, on va y aller pour Canadian Tyler. Non, c'est pas ça. Ah, OK. Guillaume, as-tu ta réponse? Ben, je dis la même affaire. Non, c'est Tyler Toffoli. T'as plus de chances de rencontrer Tyler Toffoli que de rencontrer un commis dérangé chez Canadian Tire. C'était le quiz, trouver l'intrus. Là, Réjean, cette semaine, t'as une nouvelle chronique. Tu veux nous présenter trois livres 3X, c'est ça? Ou des livres 3X? Pourquoi nous présenter? Effectivement, c'est bon d'avoir des suggestions de lecture pendant la période de confinement. Ah oui. Puis tout,
Prends les joueurs de hockey, quand ils ont terminé leur match de hockey, ils ne peuvent plus rien faire. Ils rentrent dans leur chambre, puis ils sont seuls, puis l'équipe, à un moment donné, ben, ils cherchent à tuer l'ennui, puis de faire différentes activités, puis ils s'ennuient aussi de leur temps de repos, en quelque sorte. Fait que j'ai des suggestions de lecture intéressantes pour vous. Des livres sexuels, un petit peu, si tu veux. Le premier que je vous suggère cette semaine, c'est 50 nuances de gris avec Alain Crête. Bon, la préface est d'Yvon Penneau. Regardez pencher le petit Yvon par en avant. Tu vois, oh, il fait un bel ouvrage. Il est prêt à tabaslac. Ensuite, deuxième suggestion de livre érotique intéressante pour les gens qui veulent passer le temps et se divertir. Au lit avec Mike McPhee. C'est très intéressant comme lecture. C'est l'histoire d'un moustachu qui s'en va déjourner des régions tropicales. J'allais aimer. C'est une bonne section. Ensuite de ça, ben, ceux qui aiment ça un petit peu plus éveillé, un peu plus cocky comme lecture, puis tout. J'en ai un autre excellent à vous suggérer ici. Ça sent le Robert avec Weber. Ça se passe dans un club échangiste. Le gars devient irrité un peu, d'où le titre « Ça sent le Robert avec Weber ». C'est très intéressant comme lecture. Et le dernier et non le moins. Avec Weber. Le dernier, là, je me tape juste des Louises avec des Louises. C'est un bon. C'est quoi l'histoire, celle-là? Tu veux pas savoir. OK. Mais les gens, c'est très bon, c'est mon vendeur de miroir. Je me tape juste des Louises avec des Louises. C'est très bon. Alors, c'était mes suggestions de lecture cette semaine. Je vous souhaite une belle soirée. Et on se retrouve, bien sûr, au party Super Bowl la semaine prochaine. On va être du fun dimanche, le gros match de Super Bowl. C'est complet. Je suis fatigué. J'ai du fun. Vous aime beaucoup. Salut, Red. Bon, mais c'est une première, je peux pleurer à pas jouer. Je me tape juste des Louises avec des Louises. Ah, ça doit être à moi. Oh, tabarnak. Réjean, il est fort. Il n'a pas fermé sa caméra encore. Oh. Et on tabasse l'ac. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah, j'ai pas encore fermé ma maudite télévision de merde. OK.